Amis téléspectateurs, amis qui regardent sur internet, comme nous t'ai annoncé dans le début de l'émission, nous pourrons regarder avec DG Panou, émission ça qui est ramassée. Une émission qui est populaire dans le pays d'Haïti qui passait sur antenne radio Caraïbes. Et c'est une émission qui est présentée par la vedette de cette émission, présentateur vedette, Jean Monnet Metellus, qui t'a fait déplacement. Et bien, avec tout invité, il était venu dans la cour New York. C'est sur l'initiative et l'invitation de l'organisation ça qui est les Friends of Haiti, qui t'a célébré 5e anniversaire. Et dans le contexte de célébration ça, il était fait un bel panel à travers l'émission ramassée. Panéliste était là, présentateur lui-même tout, présentateur émission ça, monsieur Jean-Monnet Metellus que nous pourrons faire connaissance avec elle. Si nous contentons sur radio, nous pourrons well de visu avec yeux pas nous pourrons well sur télévision et téléimage. Nous bail crédit à ACRTV qui c'est African Caribbean Radio et Télévision, monsieur Jean Béliard Lucien et monsieur Yves Dossou qui permettent nous joindre image. Merci messieurs, belle collaboration. Là nous garder quelques extraits de ramasser qui Jean émission était passé, c'est dans la coupe Brooklyn, c'est l'une des premières fois. M'a dit que ramasser a fait à l'extérieur, il n'est pas fait en Haïti, il a fait dans New York. C'est une occasion pour la diaspora haïtienne de parler. Nous rejoignons tout pour me refaire une précision. Nous avons le docteur Dalmassi qui était dans le panel. Nous avons plusieurs autres monde, ex-ambassadeur Raymond Joseph, et puis l'autre panéliste que nous parlons de eux, messieurs politiciens, vous pourrez parler politique. Question était chaud, en pile, question était posée. Comme d'habitude, ramasser, c'est ramasser, fois ça en version télévision, en extrait, puisque tant coûte en pile, nous pourrons avoir deux, trois extraits de l'émission ça qui est ramassé, qui était fait dans Brooklyn. Dans la cour New York, c'était semaine passée à la télé image à poté image au bas où on regarde ensemble. Merci Moril, merci Paul Prince. Alors nous retournons pour Bagabdi, dernière ligne droite, émission en passé puisque pas bien pause encore et naturellement on a compris que c'est différent de format pour Prince là. Juste il y a un panel qui peut changer et puis en pile les amis pour saluer, en pile et les retrouvailles et nous contents de retrouver des mondes que nous parlons longtemps et puis des fanatiques qui peut-être c'est envie, ouais sénateur dira envie, nous tous qui sommes pour Prince donc nous contents. Accueil ça, que nous joignons à New York, alors j'en ai annoncé, nous gagnons et de nouveaux noms, de nouveaux visages sous panel là, et dans ce débat, et pour présentation. Très bien, j'aimerais vous saluer encore. Et on est New York, et j'en ai dit que nous sommes en pile, donc ça veut dire que nous gagnons en pile des compatriotes qui sont dans la diaspora, qui travaillent, qui. Et de temps en temps passer sous panel. Donc, panel, ça, j'en dis là, c'est dernière ligne droite là. Et nous avons dit que c'est panel du hein, qui va rentrer dans les dossiers politiques. Et Nathan Miller, c'est Delva, pas vrai? Nous voulons, monsieur. Et full sécurité. Qui nous dit qu'il y a un problème? Oui, C'est ça. Depuis hier, nous avons parlé ensemble avec Miller sur Facebook. Nous avons dit Nathan Miller. Et nous mobiliser tout en précinct Boris et Blanc pour assurer sécurité, et pour question sécurité. Maintenant, j'aimerais nous gagner Jose David Mar qui vous présente une perspective parce que nous avons deux perspectives. Donc, si monsieur, on va parler et nous permettre que vous partagez opinion, idées ensemble avec le public. Là, encore, nous connaissons monsieur Jean-Baptiste et la priorité sous panel là toujours. Et puis accompagné du sénateur Dira Simon Dieu seul et qui là et puis nous avons Fred Joseph et qui lui-même et bien monsieur ça c'est monsieur Lavalasio et les gars Tanguy Tanguy et ensuite Mettervel Joseph qui vous présente FBL et puis nous allons gagner et sénateur bien-aimé qui va monter sous panel là en rotation maintenant. Et moins seulement à continuer motivation à soya parce que ça qu'a fait là eh bien et là bien plus sens si et chaque compatriote qui là mes amis et nous gain quatre nous déjà pour venir participer dans gala ouais et gala c'est 5e anniversaire les amis d'Haïti 2010 et nous a fait dans El Caribe Convention Center et El Caribe c'est un gros country club. Et priant c'est $150 et puis relé dans 347 546 1468 347 546 1468 pour nous réclamer un ticket ou bien dans 516 987 2416. Donc public là on connaît bien moun là déjà qui peut gagner 4 noms monsieur si nous besoin 4 noms eh bien la ligne derrière et puis et pas la même
Nous ouvrons le micro. D'accord, alors on peut saluer le sénateur Dera qui est ensemble avec. Sénateur Dera, son plaisir pour nous rejoindre là dans New York pour l'émission Ramasser ça dans le cadre 5e de Friends of Haïti. On salue, merci Jean-Mouna, et on salue tous les panélistes, et spécialement les patriotes, nos compatriotes, nous, Éric Jean-Baptiste, et David Ma, Perspective, et Fred Joseph. Et Albert Joseph. Et Fred Joseph, il y a Fred. Et on salue tout le monde qui l'a dans la salle là, qui vient assister et ramasser ça aujourd'hui, ils ont ramassé spécial. Et côté que Ramassé a déplacé, quitté siège lui. Et il vini, il jouait un pile fanatique, un pile admirateur. Et dans le cadre de ma rentrée là, quand pile monde qui est en salier, mais par contre, si c'est en dehors, on dirait Jean-Mouna en salier. Donc, et vous connaissez pas beau garçon, vous connaissez ça. Et le cognac, c'est l'aime dire non, c'est un sénateur Dera, dit bon, de toute façon, et bien content encore. Hein. Donc, c'est un plaisir, moi j'ai accueilli nous ici depuis hier soir. Et nous avons un gros coup de chapeau tout pour le club ça, qui a accueilli nous là, en bâtonnel. Et nous, alors, il a fait venir là, il a dit club opposition, mais il a regardé toute qualité de monde là. Donc, finalement, moi je me suis pas oui. Et une salutation spéciale à King Dino qui très bientôt. Sénat de la République a recevoir en Haïti. Ah bon. Un gros causeur. Et nous saluons Fred Joseph. Vas-y pour nous saluons Jean Bonnard, nous saluons Hébert, nous saluons le président Dera, et Jean-Baptiste et Camarade Perspective. Nous saluons tous les acteurs bien-aimés, assistants. Et nous saluons et coordination et New York, Conférence New York, et toute coordination, Orlando, Philadelphie, Connecticut, et Floride. Et nous saluons tout le comité exécutif là, et qui a pris cette émission là, spécialement le Marie Francis, et avec le président Aristide. Nous pensons que nous allons faire un bel débat, et surtout avec le fait brûlant qui gagne et qui passe intentionnellement. Nous saluons Herbert et Herbert Joseph, plus qu'on nous a mis son frère. Merci Jean Mouna. Avec plaisir, nous-mêmes nous là, nous avons salué le panel là, sénateur et président du Sénat, Dera. Nous connaissons normalement tous les membres sur le panel là, nous parlons tous nos membres, Perspective d'Arelma, c'est ça? Jose. Jose. Ensuite, nous avons. Je ne vais pas me dire l'éternel là, mais nous sommes plus habitués. Mais ça, nous n'avons pas avec moi maintenant, même si c'est machiné à moi, mais ouais. Donc, pour les tout dit. Position. C'est pas bagarre facile dans le pays ça pour les gens qui direct consacrent tout jour que lui-même pas accepté avec occupation. Eh bien, c'est M. Éric Jean-Baptiste que Kafou Apton. Et n'a pas salué Fred Joseph. Fred, bon, n'a pas tant d'eau. Parce que sous comme sous position de la valance, nous pensons que n'a pas fait le bon d'accord ou bien pas d'accord. Mais nous-mêmes, tout, n'a pas salué Patrick Moussignac en Haïti et tout le public là qui est en Haïti qui a attendu, fanatique aux États-Unis. Vous prenez Jean Mouna, comme nous ça, le monde attendait Caraïbes tout le temps. Nous saluons Jose, Jose qui fait déplacement sur la Floride pour arriver là et pour lui participer avec nous dans la. Oui, Jean Mouna, bonsoir, bonsoir tout le monde qui fait déplacement. Hier soir, moi, j'ai bien temps, c'est ça que nous avons participé dans le forum hier après-midi, mais personne qui était fait représenter par nous. Donc c'est un plaisir comme là, l'aime garder mon guillaume, particulièrement le président Dera avec le sénateur Mouna, même pas une des autres loin, mais les autres types, c'est une juste en Haïti. Donc c'est un plaisir, semaine dernière nous étions ensemble dans mon là, c'est un plaisir que nous l'avons ensemble, que nous avons périple pour brasser l'idée sur le pays d'Haïti. Et d'ailleurs, c'est suite à forum de 29-30 que le président Dera était là. Donc c'est un plaisir que nous là, et particulièrement nous saluer les amis de Perspective qui ont fait d'attendre là sur 15-30 particulièrement. Ouais. Nous saluons tous les leaders dans la diaspora qui sont présents ici là, qui croient que c'est nécessaire pour nous tous ensemble, nous mettre des mains, pour nous goûter, pour que un petit groupe qui représentait 5% dans le pays ne pas accaparer toute richesse pays. Depuis la colonie, ces batailles ça fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même bataille là. On met nous ensemble pour nous mettre contre ce groupe ça qui veut prendre toute police
nous voulons que nous la donne, mais nous ne voulons pas prendre tout. Merci. Alors, bousculé par le temps, c'est toujours concernant Massé, et nous avons plusieurs sujets. Sénateur New York, et République Dominicaine, nous prenons souvent sur l'île, mais je dis, hein, et au concours de circonstances fait que des bases sur l'île étaient démarrées. Et puis, nous voyons l'ambassadeur Joseph, et nous prenons en bas ça. Parce que c'est même pas arrêté là, on commence en bâtonnet là, décoré avec pancarte, sans doute sitting qui était organisé dans New York contre décision raciste. Et République Dominicaine, donc vous prononcez souvent sur ça déjà, mais même qui ça s'est inspiré. Et pendant ce matin, c'était oui, il faut nous mettre dans le bol Saint-Domingue, mais en même temps, il faut nous garder la carrière pour nous dire qui ça pour nous faire. Et maintenant, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et pour nous pas obliger les Haïtiens qui ont pris l'humiliation là-dedans. Merci encore, Jean-Bernard. Je pense parce que nous avons des grands appels de diplomatie, de discussion à parler. Est-ce que ça permet de analyser les questions de l'Union dominicaine? Non, mais je dis en son jour spécial, quand on a parlé de l'Union dominicaine, au 25 janvier 1856, comme ça, sous Louk, côté sous Louk qui perd une bataille devant le général dominicain Bido, côté qu'il a essayé d'accaparer le parti oriental. Et puis Dominicaine a été envahi, donc tu perds la bataille là. C'est même genre, je fais des choses pour me dire que ça va passer, je dis, c'est une bataille diplomatique que nous avons perdu là. Pour les gens qui comprennent la diplomatie en profondeur, et dernière rencontre qui a été faite là pour moi, c'est une victoire pour la République Dominicaine. Et pour qui ça me dit son victoire, bah, c'est de retirer qui seront sur le plan multinational pour mettre sur le plan bilatéral. Donc, pour moi, c'est une victoire diplomatique pour lui. Donc, chaque monde qui a une diplomatie a une autre dimension, une autre niveau, mais moi, l'équipe, c'est comme ça que je comprends. Et l'encontre qui a été faite dernièrement, nous allons maintenant. Et que tout le monde pense que c'est une victoire, non, moi, je dis que c'est une défaite. C'est une défaite pour la diplomatie haïtienne. Et c'est une victoire pour la diplomatie de la République dominicaine, côté qui est arrivé, déplacer la question. Hein. Sur base multinationale, multilatérale, excusez-moi, et vous mettez son base bilatérale. Donc, son première victoire qui a gagné. Et dans la phase, est-ce que la situation a changé? Bah, quoi, a changé. Et ça qui fait qu'elle va changer tout, c'est l'esprit, c'est la dimension dirigeant. La dimension dirigeant, c'est la dimension d'homme d'État que nous avons besoin, que nous pouvons joindre. Pour qui ça me dit ça, chaque fois que je parle tout le monde comprendre, son éternel opposant qui va d'accord avec fait, qui oppose à tout le monde. Cependant, lorsqu'on construit un pays, si je répète ça, Karl Marx te dit, et la construction d'une démocratie, et prix Nobel là, et analphabet là, il y a même rôle pour jouer. Ça me dit, que dans la situation de la République dominicaine, l'aide de la commission binationale qui est faite, je pense que le gouvernement va prêter dans l'esprit de clan. Je vais prendre des gens qui spécialisent dans la question. Mais quelle est l'opposition? Quelle est la société civile? Qui est opposant au gouvernement? Mais il y a une connaissance sur la question publique dominicaine. Je suis supposé les lire, consulter, prendre conseil. Mais nous devons mettre même dans la commission pour aider que les démarches diplomatiques soient faites pour les avoir un meilleur résultat. Il y a un petit clan, des familles, des amis pour faire la commission. Ça veut dire que j'ai constitué le gouvernement en Haïti. C'est même j'ai constitué la gestion des relations internationales du pays à tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas sorti de petits secs qui gagnent. Hein? Tout le bagage fait pour faire dans petit sec là. Donc son gouvernement, je pense que la plus victoire du gouvernement, c'est le bras court. Je parle de bras court, il y a deux bras, un bras long pour le prendre côté jeune, un bras court pour le bail, mon qui pipril. Donc, bon, mon qui pipril là, je veux dire que c'est ça qui met des noms à échec diplomatique, ça, ce passé de République dominicaine là. Il y a l'autre monde qui a aidé le gouvernement, puisque c'est une question nationaliste, une question pays qui a plaidé. Il y a une question Michel Martelly, qui est en mode de voter. Pour y aller, si vous avez eu l'air, vous n'avez pas eu l'air.